あの光は何だ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。 任せろ。フードバースター。立て直すわよ。危ない。ジャンパーさん。なんだよこれ。さあ行くよ。 Salut à tous, c'est Capman TV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, je sais, sur One Piece Odyssey, comme vous avez pu le voir, sa petite intro, et ça nous met le contexte de ce jeu. Et ce jeu, c'est la démo du coup, parce que je sais que le vrai jeu est sorti. J'hésite à l'acheter, mais pour l'instant, j'ai toujours été déçu sur les jeux One Piece, donc j'ai envie de découvrir ce jeu sous forme de démo avant de me pousser à l'acheter. Donc j'ai vu quelques petites vidéos dessus, ça me paraît intéressant, mais j'ai toujours voulu commencer et voir et découvrir par moi-même. J'ai vu les 5 premières minutes de la démo, pas plus. Donc je sais les contextes, etc. de la première mission, de la première quête. Mais l'intro nous met directement dans le truc. Donc on voit tous les personnages importants. Luffy au chapeau de paille, donc son équipage. Là on a une lettre intro, donc je vais vous la laisser dessus. 麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。では、あの男を向かわせるか。Les escargophones, pera. Donc voilà, ça nous met directement dans le contexte. Donc ce jeu, il était sorti pour le 25e anniversaire de One Piece. Ce n'est pas dans l'histoire originelle, donc il y a toujours, un peu comme dans tous les films, un truc un peu en dehors du contexte. C'est ce qui m'a toujours déçu un peu dans les jeux One Piece. Après, je les connais pas tous par cœur, mais en tout cas sur les peu que j'ai joué, c'est toujours une nouvelle histoire. C'est bien, c'est du additionnel. Sauf que je suis un peu comme dans les autres œuvres manga qui est sorti en jeu vidéo, je préfère jouer à l'histoire et revivre ce que j'ai lu ou vu. Comme par exemple Dragon Ball, que j'ai toujours adoré à cette manière-là, depuis l'époque de la PS2. Et les Naruto aussi pareil, c'est pour moi c'est les jeux les plus réussis pour des mangas. Mais One Piece, je sais pas, ils aiment bien tout ce qui est une nouvelle histoire, donc... l'auteur de cette œuvre a toujours des idées farfelues et
Il ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on l'aime, mais j'ai toujours eu du mal avec les jeux One Piece, avec les nouvelles histoires, C'est triste à mourir. Donc, on va voir pour cette démo-là, surtout sur PS5, du coup. Pour l'instant, c'est mignon. Voilà, c'est vraiment le mot, mignon. Mais on va voir ce qu'on va nous demander. En tout cas, on atterrit dans une île, il y a une grosse tempête. Et on a perdu notre bateau, le Sunny. Il est en train de couler, il est en sale état, que la tempête. Et il y a encore ces fameux cristaux là, des cristaux de pierre, ou je sais pas ce que c'est. Chargés d'énergie et hyper dangereuse. Qui atterrit du ciel. Comme un peu le dieu Ener là, avec le Knockout Stream, pardon. Ça revient un peu pareil. Donc est-ce que c'est les mêmes lignées? Est-ce que c'est lui qui revient avec un nouveau super pouvoir? Usopp, toujours aussi bête. En tout cas oui, voilà, c'est un de mes mangas préférés, donc ça fait toujours du bien de revoir ces personnages, de les incarner. C'est un nouveau RPG, avec un système d'attaque un peu différent aussi. Donc c'est vrai que c'est audacieux, on va voir comment ça va tourner, mais... Mais on va découvrir un peu tout ça et faire un petit let's play. Moi, je suis pas le plus à l'aise pour tout ce qui est discuter dessus, sur les vidéos, etc. Poser ma voix. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'améliorer néanmoins. Mais c'est pas évident à faire. Donc, let's go. Ah oui, là c'était triste. Oh là là, c'est triste. Tout le monde appelle tout le monde. Mais bon, l'équipage est séparé. Hein. La tête qu'il a, le phoque. Voilà, Franky commence. Usopp continue. Brinke! Il a toujours été comme ça. Alright. Donc tout le monde appelle tout le monde. Hop. Explore l'île mystérieuse. Cherche ton équipage. Donc, on voit sur notre écran à droite les petites touches sympathiques. Donc cherche ton équipage. Donc se déplacer. Hop. J'ai même pas eu le temps de le lire. Alors, instructions d'aventure. Les objectifs de l'épisode sont affichés en haut à droite de l'écran. Tu peux également les retrouver dans le menu principal. Consulte-les pour connaître les prochaines étapes de ton périple. Les missions permettant de progresser dans l'épisode sont indiquées par une icône rouge. Les objectifs sont indiqués par une icône point d'exclamation rouge et les informations pour une icône en forme de bulle de dialogue rouge. Les personnages indiqués par cette icône donnent des indices sur l'aventure. De plus, ceux indiqués par des icônes rouges donnent des indices sur l'épisode principal. Alors, parle à tous ceux que tu croises. Ok. Donc, je vais essayer quand même de baisser le son du jeu. Pour que je puisse m'entendre. Enfin, qu'on puisse m'entendre, pardon. Paramètres. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas le son. Si. Hop, pardon. Et on va baisser un tout petit peu. Pour que ce soit plus facile à entendre, ça doit pas être évident. Uch. On va mettre tout ça à 60. Il y a les dialogues en bas, donc on n'a pas besoin d'être sourd. Et au moins, c'est plus agréable. Alors, se déplacer, contrôle la caméra, voilà, course auto. Ok. Action, sauter. Le fluide, ça peut être pas mal pour découvrir des choses, je pense. Un peu comme Assassin's Creed. Voilà, il y a des petites loupes après. La carte qui est ici, qui est fort sympathique. Zoomer. Le menu, le mode visé. Hop, ça c'est peut être intéressant pour éviter de voir. J'ai la gâchette hypersensible là, ça vit pas mal, donc... Gamena. On peut viser comme ça. Ouais, et le Gum Gun Rocket, on peut pas le faire apparemment. Ça doit être qu'à un certain moment. Et courir, R2. C'est pas mal. La glace trop cool a disparu d'un coup.
je demande si elle va encore tomber. Donc ça c'est vu. Hop, un autre truc est là. Je vais le cacher. Cette fleur pousse sur les rochers, je me demande si je peux la manger. Bah, elle a pas l'air fameuse. Bref, c'est des petits dialogues toutes faites. C'est quoi cette lumière? D'où elle vient? Eh bien, elle vient de cette île. Je vois un gros pilier super cool. On devrait l'escalader une fois qu'on sera tous réunis. Bon, on connaît un peu Luffy hein, et c'est sa façon d'être un peu. C'est rien appétissant. Donc à sa manière d'être à chaque fois, de un peu juste un peu comme tous les héros un peu manga. Hein, Goku quand on le voit, on a l'impression qu'il est teubé, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et ils sont hyper forts et d'une gentillesse inégalée. Mais je vais regarder parce que voilà, comme on nous a dit plus tôt dans l'instruction, il faut regarder là avec les signes un peu rouges comme ça. Mais j'ai envie de voir quand même les loupes avant. J'espère que mon chapeau n'est pas tombé là l'eau. Nanani nanana nanani nanana. Alors, qu'est-ce qu'il y a Sanji? Pourquoi il était perdu? Bon, ça c'est fait du coup. Perd pas le nord. Elle s'est fait foudroyer. Ouais, j'ai l'impression que c'est le dieu Inner et c'est trop rigolo ce signe. Je vais aller voir un peu plus tôt quand même. Alors, je peux pas y aller. C'est comme dans Vice City, on peut pas aller dans l'eau. Il y a des poissons quelque part, je meurs de faim. Bon, il a toujours la dalle Luffy. Je vais courir un peu quand même parce que c'est long. Je vais aller voir Usopp avant. Ouais, c'est pareil, les dialogues, je trouve ça un peu nul de les voir comme ça. Même si il faut la traduction, c'est pas fluide, c'est toi qui les balances, on dirait que tu joues à Pokémon, même si j'adore le jeu. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir plus sur le jeu PlayStation un peu. C'est un peu vieux jeu, quoi. Le système du dialogue et de parlotte, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc ça fait là. Y'a rien là-bas. J'ai de parcourir un peu tout, hein. Eh voilà, j'avais une petite loupe là, j'ai envie de voir un peu l'univers, l'ambiance. Voilà, il parle que de bouffe. Voilà. Bon, c'est pas grand chose. Gamegamana! Allez, Franky, qui va rejoindre notre groupe. J'adore la version japonaise. C'est toujours mieux que la version française ou anglaise. Ça n'a rien à voir. Après, c'est les fantasmes des langues étrangères. Hein. Donc là c'est bon, Franky nous a rejoint. Salut petit cyborg. J'ai toujours aimé ce manga parce qu'il parle quand même de tout. Il est dans l'air du temps, il est cosmopolite, il parle de tous les tabous. Il est sur les transgenres, les homos, les ci, les ça, enfin bref. Je trouve ça très important.
Il est moderne malgré lui, alors que ça fait plus de 20 ans qu'il existe, 25 ans du coup. Donc, c'est hyper fou quoi. C'est hyper fou le fait qu'il est actuel. Et le fait de d'avoir trouvé une histoire pareille quoi. Les pirates, ça a toujours intéressé et dans ce monde-là, c'est très bien fait. Robin, au gros gros Robin. Et on va voir Chopper qui va nous lancer sur la mission, je pense. Chopper, le médecin de l'équipage. Donc tous, ils ont un rôle d'une manière ou d'une autre. Donc Luffy, le capitaine, clairement. Sanji, le cuistot. Chopper, le médecin. Robin, historienne un peu, tout ce qui est en archéologue. Usopp, sniper d'élite. Franky, charpentier. Nami, j'ai oublié le nom. Ben, navigatrice, voilà. Et Brook, rigolo. Rigolo, mais c'est le musicien. Voilà, c'est le musicien, c'est son rôle. Sharks, merged free. Bon, on n'attend pas plus, hein. Uyush. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc brillant? Hé, ça me plaît. Ouais, c'est trop cool, hein. Voilà une gravure très élaborée. Ce n'est pas un motif qu'on voit tous les jours. Fascinant. Alors, point de sauvegarde. Les points de sauvegarde enregistrent ta progression et restaurent ta santé. Si tout un groupe est KO, donc c'est vraiment un vieux jeu, mais bon, c'est pas grave, tu reprendras la partie au point de sauvegarde précédent, on dirait God of War. N'oubliez donc pas de sauvegarder fréquemment pour enregistrer ta progression dans les épisodes. Du coup, est-ce que je peux sauvegarder? Voilà, kiffé. Impossible dans les mots, donc très intéressant. Waouh! Jardin de King Kong. Sérieux? C'est l'arbre qui s'appelle King Kong? Ouais, c'est un peu le délire de l'époque de NR, hein. C'est vraiment ça. Waouh! Il peut même pas fermer la bouche, hein. C'est vraiment ça. C'est rigolo. Non, non, on va la laisser se faire bouffer. Baraka. Sauve Nami de la bête. Alright. La musique a changé. On ne peut pas passer par ici. On dirait qu'on va devoir faire le tour. Ok. Du coup. Alors pourquoi, c'est quoi ça? Pourquoi c'est y a ces loupiottes? Gamma Gamma Rocket! Utilise L2 puis viser, pour viser, pardon, et R2 pour utiliser Gamma Gamma Rocket et rejoindre une zone éloignée. Gamma Gamma Rocket te permet parfois de progresser dans des zones qui semblent bloquées, d'où c'est pour ça que j'ai pas pu en fait utiliser. Regarde aux alentours et cherche un endroit à attraper. Donc hop et hop. Ah oui, j'ai sauté une étape même. Super. On saute comme ça. Youch. Et regarde, il y a un truc à la base de cet arbre. Deux trucs en fait. Oh, c'est recouvert de mousse. Par contre, tes loupes, c'est un peu lourd. Parce qu'il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Mais c'est bien, ça raconte l'histoire, mais il y en a un peu trop. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu près de l'arbre géant. Et on va penser à bouffer, je suis sûr et certain. Voilà. Je voudrais pouvoir les cuisiner, mais pas question de manger avant qu'on ait sauvé Nami-san. Ok. Des nombreux objets n'attendent que d'être ramassés. Si tu récupères un objet brillant au sol, ramasse-le avec rond. Et les objets destructibles, les barils, les pots et les boîtes en surbrillance peuvent être détruits. Ils contiennent des objets, alors détruis tous ceux que tu trouves. Alright. Yeah. Ogre d'eau. Oignon ogre, pardon. Pomme énergétique. Poivre bleu.
Marrant empoisonné, ben, ça donne pas envie. Oh, on dirait une statue. C'est une vieille relique, mais elle dégage quelque chose d'étrange. De quoi tu parles, Robin? Ça ressemble à l'une des reliques que j'ai vues sur Open Yard, mais certaines de ses caractéristiques diffèrent. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Open Yard, tu veux parler de l'île céleste? Qu'est-ce qu'une relique d'une île céleste peut bien faire ici? C'était sûr. La relique que j'avais vue sur l'île céleste venait de Jaya. Elle est originaire de la mer bleue. Une seconde, Robin, tu m'as perdu. Qu'est-ce que tu insinues? Que les anciens habitants de cette île étaient liés à Jaya et à une île céleste. C'est exactement ce que je pensais. Youch! Tu peux... Voilà, ça s'est fait tout seul, donc ça va. Allez, on avance. Ouais, c'est quoi cette tête? Bon, il a eu toujours des délires, l'auteur. Hein. Il y a toujours des personnages un peu différents, un peu original. Là, on dirait des marrons un peu sautés. Et voilà, c'était le système de combat que je vous ai dit. Ils sont pas... Je trouve pas ça ouf, mais... Ouais, on dirait Pokémon, clairement. C'est ça, c'est Pokémon, attaque, défense. Bientôt, il y aura marqué sac pour restaurer la vie. Hein. Mais je le vois, le sac, d'ailleurs. Base du combat. Les combats se déroulent sur plusieurs zones. Ton équipage peut être placé dans la même zone que tes ennemis. Ou bien dans des zones différentes. Donc, attaque. J'attaque qui je veux. Donc je vais prendre Elsa C. De toute façon c'est la même chose. Encore survécu. Dépense des PT. Tu pourras te la péter pour utiliser des compétences puissantes. Une partie de tes PT est restaurée lorsque tu attaques des ennemis et au début du combat. Tu conserves les PT accumulés entre deux combats. Les jauges près de l'icône d'un ennemi indiquent son ordre d'action. Lorsque tous les voyants sont allumés, c'est au tour de cet ennemi d'agir. Logique. Waouh. Sanji. Yush. Allez, merci, au revoir. Coup de pied sauté. Oh, sop. Ah, ce cri. Aïe. Bon, Usopp, il est bien plus nul en défense. Mais c'est pas une surprise. Ouais, il y a un système aussi de triangle un peu, vous voyez, en bas à gauche. L'épée est au-dessus du point, que le point est ci et ça. Donc ça aussi à découvrir, ça a son importance. Il faudra bien utiliser des choses avant d'attaquer. Yes, victoire. Enfin. Tout ça pour Hayab. Ok, on continue, il faut sauver Nami quand même. Hein. Mais ça vaut mieux le faire de loin. C'est Spider-Man le fait. Encore? Il y en avait qu'un. Non, c'est Pokémon les amis. Je vous assure que c'est Pokémon. Moi j'ai rien contre Pokémon, j'ai adoré, mais je m'attendais pas à ça. Hein. Alors, compétences. Les compétences d'attaque. Certaines compétences peuvent cibler à la fois un et plusieurs ennemis. Sélectionne une compétence pour consulter ses effets. Donc, compétences. Donc, il y avait le Gum Gum Bullet, le Gum Gum Bazooka, le Gum Gum Rafale, le Gum Gum Munition, le Gear Second, Gum Gum Gen Pistol. Ah oui, donc en gros, je ne peux pas dépenser les PT que j'ai actuellement. Faut que je fasse tout le temps attention. Donc la plus grosse attaque, c'est Gum Gum Jet Whip. Ok. Et ça peut engendrer sur plusieurs personnes. Ok. Bah je peux faire que cette attaque, on va voir ce que ça fait. Hein. Let's go. Aïe aïe aïe. Oh, trop bien. Ah, c'est une tuerie là par contre. Je valide. Merci. Apparemment, le film bien le foot. Qu'est-ce qui brille comme ça? Bombe énergétique. Alors, on accélère un petit peu. Maintenant qu'on a le jeu plus ou moins en main. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez une épave. Vu l'état de ce navire, il a dû lui arriver la même chose qu'à nous.
On n'a pas le temps de la perdre avec ça. On doit aller aider Nami. Let's go. Il a complètement raison. Encore quelque chose qui brille. C'est quoi ces pinguinos là? Mais c'est quoi dans cette grotte? Oula. Une seconde, Finn. Ce n'est pas par là. Ah bon? On m'a fait comprendre que j'ai pas le droit de me perdre. Et si j'ai envie d'y aller, je peux y aller, non? Alors pourquoi je peux y aller? Bon, mais tant pis, hein. Apparemment, j'ai pas le droit d'y aller. C'est bizarre. Allez, on va voir les pinguinos. Je pense que dans le vrai jeu, on peut y aller, hein, mais je pense que la démo nous limite à certains espaces. Je crois qu'eux aussi ont la dalle. J'ai l'impression. Ils sont grands quand même. Ça c'est bien fait quand même pour un jeu un peu comme ça. Il va les bouffer par la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Battle! J'ai l'impression qu'on est passé dans les autres herbes. Et victime de paralysie. Mais c'est exactement Pokémon! Ça a été fait par Niantic, ce quoi? L'ennemi se regroupe. Libère la zone de Usopp avant que Usopp ne tombe KO. Ok. Péter d'équipe, nanana. Ok. Mise en scène au combat. La mise en scène peut être activée en remplissant certaines conditions. Au cours de cette mise en scène, l'attaque de l'ennemi ou les dégâts qu'il subit peuvent augmenter. Lorsqu'il ne reste aucun ennemi dans ta zone, tu peux attaquer un ennemi d'une autre zone pour la rejoindre. Ok. Let's go. J'ai que lui. Ok, encore eux. Donc déjà, eux, ils sont partis. Faut pas qu'ils meurent. Ils prennent cher. A perdu connaissance. Altération d'état. Certaines attaques ennemies infligent des altérations d'état. Elles peuvent par exemple te faire saigner et t'infliger des dégâts à chaque tour. Ou t'assommer et t'immobiliser pendant un certain temps. Un peu comme Pokémon. Ces alternations d'état sont un véritable handicap. Alors soigne-les rapidement à l'aide d'objets ou de compétences de soins de Chopper. Comme Pokémon. Je veux voir la meilleure attaque. Yeah. Ils sont pas morts. Oh là là là, ça peut crever. Et est-ce que je peux pas les soigner? Super. Heureusement que j'ai soigné. Pia pia pia. C'est lui qui va attaquer en premier. Comme ça. Merci, au revoir. C'est lui qui va attaquer en premier. Et attends, j'ai essayé de faire des compétences avec Usopp. Usopp. Chopper. Il va falloir faire attention au PT quand même. Waouh! Kamehameha! Super. Bien joué, la zone de Usopp est libre. Bonus XP. On a bien joué les gars. On a gagné même de l'argent. Super. Ah c'est sympa, franchement c'est sympa. C'est mignon, ça se joue, c'est comme Pokémon. Et avoir un jeu One Piece comme Pokémon, pour moi je peux pas rêver mieux. Même si
C'est du plagiat fois mille, quoi. Je ne comprendrai jamais. Allez, on avance. Les capeurs, on avance. Et comment on va escalader ça? Mais le fils s'est tiré, yo. Voilà. C'est simple que ça. Ah, on n'est pas loin. Ah, franchement les amis, en tout cas, tout ça pour dire que je suis super heureux d'avoir atteint les 700 abonnés. Je suis trop fan, mon objectif bien sûr c'est d'être au 1000 abonnés, pour pouvoir agrandir ma chaîne, avoir de nouveaux contenus, etc. etc. Le prochain opus que je jouerai, je pense, comme nouveau jeu surtout, parce que ben, voilà, je joue à plusieurs jeux en même temps en ce moment, Assassin's Creed Odyssey, je redécouvre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ça va être du coup Hogwarts Legacy. Je l'attends impatiemment. J'espère que vous aussi. Ça me tarde vraiment d'y jouer. Donc j'espère qu'il va vraiment sortir déjà à cette date. Bon, je pense quand même, aussi proche de la date est telle. Et je ferai souvent des let's play. Donc je vais essayer de voir si je peux le faire sous voix ou pas du tout. Mais voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Hop, on me dit encore pas par là, je comprends pas pourquoi on met cet écran. Mais en tout cas voilà, je me tarde de découvrir ce jeu. Me tarde aussi d'être dans les 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à liker, commenter, à partager la chaîne. Voilà, j'ai eu pas mal de commentaires. Des commentaires disant que ce serait bien d'utiliser ma voix plus souvent, donc je ferai de mon mieux, mais bon. Aujourd'hui j'ai une famille, c'est un peu compliqué. Et je suis pas très à l'aise sur ça, comme vous le savez, je me suis jamais caché à ça. Donc ça fait plaisir quand même de jouer sur un nouveau jeu, même si c'est une démo, et de pouvoir discuter avec vous, quoi. Encore, c'est... Je sais pas, des Elsa, il est marqué. Ouais, même moi je suis gonflé. Ah ben je vais pouvoir utiliser Robin, j'espère. En tout cas ils sont rigolos. C'est quoi ce bleu là? Alors le type efficace. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc les types d'attaque. La force est supérieure contre la vitesse. Donc c'est un peu comme les types de base de Pokémon. Le feu bat les plantes. Les plantes bat l'eau. Et l'eau bat le feu. Donc c'est toujours le même système. Et c'est l'histoire de la vie même. Donc voilà, c'est pareil. Donc la force bat la vitesse apparemment. La vitesse bat la technique. Et la technique bat la force. Donc les attaques normales peuvent posséder le type force, vitesse ou technique. Chacun de ces types est plus ou moins efficace selon la situation. Alors affecte les dégâts infligés, pardon. Voir les types. L'efficacité d'une compétence est affichée sur l'icône de l'ennemi. Voilà. Donc en général, ça dépend beaucoup de la couleur. Ok. Donc force plus, dégâts plus, dégâts moins. Du coup, il va falloir que je fasse attention à tout ça. Voir les types. Consulte l'icône de l'ennemi située dans la partie gauche de l'écran pour vérifier l'efficacité. Ok. Donc voyons voir si j'ai bien compris. Remplacer l'équipage de ce combat. Remplace les membres de ton équipage au combat en appuyant sur triangle. Sélectionne un membre d'équipage efficace contre le type d'ennemi que tu affrontes. Ok. Donc là, nous avons... Il est où celui en bleu là, comme ça? Moi j'ai Sanji. Sanji c'est de la force. La force, je m'en rappelle plus. Ah, mais de toute façon les 10 faibles. Et en général, je peux attaquer qu'avec lui. Donc il faudrait que j'échange en fait. Parce que lui c'est un type technique. Et si je me souviens bien, le type technique, c'est moins fort contre la vitesse. Est-ce qu'il y en a un qui a de la vitesse? Non, pas chez nous.
Bon, je vais l'utiliser quand même alors. Ça a quand même pas mal affaibli. En fait, c'est les mêmes, le problème, ce qui est différent, c'est d'une autre couleur. Alors. Lui, c'est un type force, et moi, c'est un type technique. C'est vitesse ou soap, non? C'est vitesse. Remplacer. Vérifier l'état. Donc voilà, il va falloir que je me rappelle des trucs parce qu'il y a des signes, mais on le voit pas beaucoup. Donc, on va faire des compétences. Ah, j'adore les attaques. Ouais, c'est efficace. En tout cas, il y en a un qui est bien mouru. Donc, la technique est au-dessus de la force, donc ça, c'est bon. Je vais faire des compétences, il n'y reste pas grand-chose. 30 fleurs, je vais faire. Et je vais le faire à la force. Et comment ils savent? Ah, c'est parce que c'est l'attaque de trucs. Donc là, il y a technique, technique. Là, il y a vitesse et force. Ouais, ça a été efficace contre un et pas sur l'autre, forcément. C'est pas mal quand même comme attaque. Luffy, c'est un type force qui bat les types vitesse. Donc voyons voir si je peux faire une attaque contre un type vitesse. Voilà, efficace. C'est bon, je viens de comprendre les amis. Il est battu Olza. Ah, c'est la première fois qu'on m'attaque. Et ça m'a fait rien du tout. Luffy. Oh là, j'ai eu des points là. Je vais faire un bazooka. Il n'y en a qu'un. Ah, l'autre, il a perdu connaissance. Adieu. Et où? J'adore en tout cas les systèmes d'attaque. Et je vais utiliser... Bon, je vais faire une attaque normale. Voilà, c'est suffisant. Voilà qui fait. 80 000 XP, 3000 de sous. C'est pas mal. Ah, j'ai augmenté des niveaux. Niveau 41, ah, quand même. Ça aurait été intéressant de voir le niveau 1. Quand tout le monde augmente, j'ai compris. Franchement, le jeu est cool en fait à jouer finalement. Ça fait un peu mignon comme j'ai dit plusieurs fois, mais c'est super bien à jouer en fait. C'est toute une réflexion et tout. Ah, Zoro est passé par là, c'est sûr et certain. C'était sûr. Ah, j'ai envie d'incarner Zoro là, j'ai envie de faire son attaque puissante là. Demon Slash, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié, non? Sobnami de la bête. Zoro en 2 secondes il est bas, faut pas croire. Allez, allez. C'est fou, il est gentil. Fight. Ah oui, il a d'autres personnages. Soit Nami à hauteur. Nami en a donc au chopper, là, il faudrait... objet. Utiliser des objets. Tu peux utiliser les objets présents dans ton inventaire en sélectionnant objets. Leurs effets sont variés et ne se limitent pas à la restauration de PV et de PT. C'est vraiment un tutoriel, quoi. Je vais le donner. Ouais, c'est pas mal. Je vais secourir une amie. Def, écran augmenté. Aïe, aïe. Bah, t'es minable, t'attaques une femme. Alors, changer l'ordre du tour. Lorsque c'est au tour de ton équipage d'attaquer, tu peux sélectionner le personnage qui aguerra en premier à l'aide de L1 ou R1. Consulter l'ordre d'action
de l'ennemi pour choisir le personnage qui agira en premier. Ok. Ok. Je vais faire une attaque. Non, je vais faire une attaque normale. Elle est, je sais plus quoi. Vitesse, je crois. Non, elle est technique. Et ça se bat contre la force. Alors, je la prends pas. Luffy. Force. Ça bat la vitesse. Il n'y en a aucun. Si, lui. Bon, non, c'est que des forces. Pareil. Donc, je vais changer. Sanji, c'est de la force. Et ça, c'est de la technique. Donc, ça, c'est bon. Et la technique. Non, c'est pas la technique, c'est la vitesse, pardon. Ça bat la force. Ah ouais, mais ils ont bien fait en fait. Ouais, c'est pas terrible, terrible. Mais normalement, c'est censé faire beaucoup de mal à cette personne. Et j'ai eu raison. Rebuke de chef des combats. Comment sont les ennemis aux jauges les plus remplies? Ok. Choisissez les membres de l'équipage au type efficace. Utilisez des compétences adaptées au nombre de cibles. Donc là, je vais faire une attaque à monsieur. Voilà, je savais que c'était pas le bon type. Il me fallait que j'attaque. C'est quoi ça? N'importe quoi. Ok. Allez, moi je vais faire une grosse compétence. Gear Second. Donc ça augmente l'attaque. Et je vais faire Rafale. Oui, Rafale. Hop, ça a dégagé un déjà. Oula, ça va faire mal, je sens. Attaque séisme. On dit Zumazo. Qu'on cassait! Alors, Sanji. Ah, lui, il faudrait que je touche. Voilà, efficace les amis. Efficace les capeurs. Aïe aïe aïe. J'adore le système d'attaque un peu comme ça là. Oh, il est gelé. Alors Nami, c'est vitesse si je me trompe pas. Ouais, c'est vitesse. Et la vitesse bat la technique. Alors qui est technique? Qui est technique? Tu m'étonnes. Elle est technique et elle bat la force. Donc ça c'est très intéressant. Il faut que j'utilise. Là ça va être très sympa. Contre ce gros King Kong. Quattro mano. On parle toutes les langues. Eh ben, il est tenace, hein. Il est tenace, tenace, hein. Ah mince. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour dégivrer? Non, il n'y a pas de chopper en plus. Bref, il y en a un qui va attaquer. Il va falloir que je m'en occupe de lui. Et lui, c'est... je m'en rappelle plus. J'essaie de faire plusieurs attaques, hein. J'étais pas loin de l'avoir l'autre. Il résiste bien quand même. Ils en profitent. Boum. Il reste plus que le boss, Del Kong.
Et quand on n'est plus victime d'illusion. Alors qu'est-ce que je peux faire pour lui faire rien du tout? Il va falloir que mon personnage s'en occupe. Donc il reste plus que Nami, sérieux? Il reste plus que Nami. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais marquer ça. Un peu olé olé quoi. Raté. Ah, le voyageur réveillé. J'ai utilisé Luffy quand même depuis un petit moment. Je vais faire sa meilleure attaque. Mais je l'ai déjà faite. Et j'ai envie de découvrir les autres, hein. Je sais pas pour vous. Donc je vais faire celui-là. Enfin, cette attaque. Pistol. Ouais, il résiste bien, hein. Il va attaquer Nami. Robin. Il faudrait voir. Là, franchement, il me faudrait de la technique pour battre ce personnage. On va choisir ça. Mais c'est vraiment les anciennes attaques. Mais je pense que oui, Robin est vraiment la meilleure contre ça. Je vais reprendre Luffy. Non. Je suis obligé de prendre lui. Bascot, non. Premier Hachi, non. Flambage Shot. Allez. Il résiste, quoi. C'est fou, quoi. Il est dur à battre, hein. Je suis obligé d'attendre. Je vais lui voler. Un peu sa spécialité quand même. Et je vais terminer par Luffy, le personnage principal. Et je vais utiliser... Bah comme munition, je crois que c'est la seule que j'ai pas faite. Ou l'une des seules. Voilà monsieur, à terre. On a vaincu Delkong. 66 000 d'XP. 3008 objets tarte de banana croco. Alors ben ami Zoro, il ne manque plus que Brock. Eh ben c'était dur hein. Allez, tout le monde augmente. Moi c'est dommage, je n'ai pas utilisé Zoro. C'est vraiment dommage. La fonction combat accéléré est maintenant disponible. Merci. Bah ouais, c'est quoi? Eh bien, il a besoin de rien. Franky a rapporté les matériaux sur Sony pour pouvoir effectuer les réparations. Il y a peut-être du bois qui conviendra pour les réparations ailleurs que sur cette île. On s'en manque de Brock là? J'adore ce rire, Soul King est en personne. Sani
Qui est ce personnage? Ah, qui a le chapeau de paille. Elle a mon chapeau de paille. こうして、ルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島。低系統がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光は何だ。よし、面白そうだ。 行ってみよう。ちょっと待ってるぜ。変な。ジャレウス、あ、ロビン。すごい速度で増えてる。ちょっとビザ。こいつはノックアップストリームだ。なんだよ。おい、落ちるぞ。任せろ。フードバスター。 男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。この一味にはニコロビンが。そうだ、ルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当か、ナミ。 C'est bizarre. C'est vraiment très bizarre parce que du coup ça me remet l'intro pour me dire la suite en fait. C'est très très bizarre. C'est perturbant. Mais l'histoire continue, mais je comprends pas pourquoi ils remettent l'intro. Je ne comprends pas du tout. Bon, on va y aller quand même. C'est très bizarre, c'est perturbant les amis. C'est limite, ça m'a tellement surpris que j'ai arrêté de parler. C'était pas très logique. Perturbant. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé Brock ni Zoro, c'est perturbant aussi. Allez, let's go! C'est vrai que le fils sans chapeau de paille, c'est pas le chapeau de paille. Hop, on peut enregistrer. Forêt du Sud! Impossible. Je me doute. Il a toujours la dalle, lui. Voyons voir. Ah bon.
Wafura 2. What it is? What it is? Ça fait peur quand même. Ramener la coupe. Ah, c'est un personnage même. Ah, et quel type lui? Et type force? Donc il me faudrait un type vitesse, non technique. Boum. Donc ça a marché mais pas de facile à battre. Hein. Ok, c'est un type feu. Quelqu'un a de l'eau? Allez, on va l'attaquer assez rapidement. On arrive à une heure de jeu. Ça a rien fait. On va faire la voleuse. Wow, il a l'air impressionnant quand même. Aïe aïe aïe. On peut pas avoir Zoro. Ok. C'est vraiment Robin la meilleure. Hein. Robin, faut que je fasse des grosses attaques avec elle. Chouk. Ça lui a fait quelque chose quand même. Hein. Voyons voir. Ça lui a rien pris. Je vais juste l'attaquer quand c'est vraiment leur point faible. L'attaque normale, c'est pas mal. En plus, on récupère des PT. Qu'est-ce qu'ils ont contre Nami? Hop. Allez, Robin. Yes. Non, il est pas mort encore. Allez, finis-le. Super. Super, super. Les amis, c'était tout pour cette One Piece Odyssey. On fera la deuxième partie plus tard. La suite au prochain numéro.